que les chocobos. Comment que ça va ce matin? Si si, coucou Elias, coucou Mami, coucou Ashnex, coucou les arrivants, les ninjas. Je pensais à me dire ce matin, enfin dans la journée, tout est bon à chaque jeu. Et là je vois pas quel réglage je peux faire de plus. Même en baissant, c'est la même chose qu'hier. La logique. Aujourd'hui au programme, on va se réveiller tranquillou sur Disney Dreamlight. Puis on ira sur House Flipper, parce qu'on a fini New Tales hier, donc on va se faire un petit peu d'House Flipper tranquillou. Et enfin on irait sur le jeu sponsor, découvrir ça, la petite démo. Alors... Et pas prêt en même temps. Oh, j'ai pas joué depuis la dernière fois avec vous. Merci pour le follow. Bon, ça va tranquille, on se réveille avec le café. C'est bon de ton côté ou pas, Elios? Le stream, c'est moins bien ou mieux qu'hier? Faut me le dire maintenant parce qu'après faut que je relance tout le stream quoi. Faut vraiment me le dire si là vous avez des sous. Ça rame pas, c'est fluide. En 1080 hein. Ah mais parfait, il y a toi. C'est l'heure de préparer le menu. Hier, tu vois pas de différence? Ah, ça tombe bien. Pourquoi c'est encore en rouge pour moi? J'ai pas de perte de paquets, c'est ça qui est bizarre. Gaspacho et hors d'œuvre de fruits de mer. Quoi cela? Coucou Célandine. Merci pour le follow. Oh, tranquillou, on se réveille, hein, tranquillou. Bah, je sais pas, j'ai une mise à jour, j'ai Discord qui s'est mis en anglais. Il doit y avoir une option pour repasser en français, mais je trouve pas comme tout est en anglais. Coucou Reine Noëlla. Cuisine. Donc c'était ça qu'il voulait.
faut qu'on améliore son amitié aussi. Ah, enfin, te voilà. Exercice de réflexion pour toi. Quel villageois serait le plus délicieux d'après toi? On l'avait déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Un tyranniture apparaît? Ok, catch. J'ai même pas regardé si j'avais refait le plein de Pokéball. Ah bon. Il nous faut des Pokéballs. Et ouais. Voilà. Pokéball. Alors il veut quoi? Du thon, du... Non mais que du poisson lui à chaque fois. Alors, notons. Oscar. Ouais, je rappelle que comme on est début du mois, j'ai tout remis à jour, le shop. Le bonus du mois, tout ça, tout ça. Jamais vous avez pas envie de voir tout. Et là, grâce à vous, plus ma paye instant, ça y est, j'ai pris Ragnarok. Coucou mamie, comment ça va? Bien dormi. Allez, va. J'ai mis les 1080p sur le stream, mamie, oh. Merci, c'est très gentil. Encore au top top du réglage, mais... J'essaie. Tous les jours, j'essaie un peu. Mais là, j'ai baissé un peu. Le débit et tout. Alors, ça a rien changé pour moi et ça a rien changé pour vous. C'est bizarre. Ah oui, j'ai les écureuils à faire. Il faut quoi? Si... Je plante ça. Wesh Nex, comment ça va? On se réveille. Encore un peu les yeux collés. C'est parti, je vais faire les écureuils, hein. Ouais. Ouais. T'es encore en train de suivre les papillons. Comme d'habitude. Oh, ils sont.
chercher les cadeaux d'Oscar, tu vois. Il veut quoi? Du thon et de ça. Pam pam pam. Et il veut aussi poisson savour. Il se met au poisson, ça y est. On a pas de New Tales aujourd'hui, mamie. Je sais pas si t'as suivi. On a fini hier. Comme je sais que tu voulais pas te spoil, on va aller sur House Flipper. Profiter du coup. Mais franchement, il est vraiment sympa si tu veux changer les idées et te marrer un bon coup. Il est vraiment cool. Hein. Pas si je laisse là. Salutations aux voisins. On va avoir des doublons sur les vêtements, honnêtement. Je me dis que non, ça serait bizarre, mais... Bonne journée à toi. Un jour, j'ai une cuisine. Au revoir. Eh, hey, salut Mickey. Au revoir Mickey. Oh bordel. Il faut qu'on retourne voir Scar avant d'oublier. Il faudrait qu'on retourne bientôt sur My Time at Sandrock, oh, parce qu'il y a quand même pas mal de patch, mais... Bon, on a tellement de jeux le matin. Les jeux du matin, j'en manque pas, en vrai. Les jeux tout doux. Le nouveau qu'on va découvrir dimanche. Uh-huh. On a de quoi faire. Uh-huh. Ouah! Allez, passe vite, fais pas. Oh. On aime les champignons. Comment ça, t'aimes pas les champignons? On aime les champignons, ça, Alex. Ça monte pas du tout. D'ailleurs, je suis dans un des autres plats, je voulais les vendre, mais. Même pas ça monte. Mmh. Ah, la vanille. La vanille, elle aime. Mmh. On verra si je l'emmène avec moi plus tard. On verra. Déjà, on a pas mal de petites choses à faire. Pourquoi le matin commence aussi tôt dans la journée? Les bugs sont réglés, mais mis sur le jeu ou pas encore? J'ai entendu parler de nouveaux bugs qui étaient sortis. Moi je les ai pas, mais. Il y en a, ils peuvent carrément pas lancer le jeu. Je ramasse ces trucs là aussi. Ça va, ok. Bon, ça c'est cool. Après, ouais, les petits quoi, je crois qu'il y en aura toujours.
Plus ou moins. Que je fasse quoi dans les quêtes aussi? Pas regarder mes quêtes. Il va falloir qu'on fasse de la pêche, préparer les plats 3 étoiles. Ah, les poivrons, c'est pour ça que j'avais acheté des poivrons. Des plats avec du maïs. Maïs et 3 étoiles, peut-être. Pas pourtant. Pas le Discord français et tout, c'est toi qui changes dans les options après. Et moi je sais pas pourquoi il me l'a repassé d'un coup en anglais et je sais pas comment. Je regarde ça, mais là, comme c'est le matin, j'avais pas les yeux très ouverts. Et où notre petit lapin ? Là, c'est cool. Ouais, c'est peut-être la mise à jour après. C'est pas dans les options, c'est peut-être la mise à jour. C'est pas impossible. Ah, c'est lui que j'ai pas. C'est pas impossible, hein. Un petit lapin. Pour se réveiller les petits lapins. Alors, on fait d'abord un petit tour partout et après on fera la quête, on ne mange pas ses amis. Pas bien manger ses amis. Ah, je sais pas si t'avais vu la dernière fois, mamie, mais j'avais refait toute la zone. Enfin, tout refait. J'ai juste en fait bougé le Emila. Je trouvais que le château il était pas joli ici. On l'est pas trop touché, mais j'ai pas trop le choix ici. Bon, après, c'est pas... J'ai pas rien enlevé de la zone et rien change. Enfin, j'ai pas mélangé les zones ni rien, quoi. Alors, faudrait voir si c'est ouvert pour acheter. Cauchemar, cauchemar. J'ai éloigné du coup certaines des maisons. Ça fasse plus joli, mais. C'est pas encore parfait. J'aimerais bien les mettre plus loin, mais pas. Hop, hop, hop. Ouais, j'aime bien comme c'est, donc j'évite de trop changer. Mais bon, des fois, t'as pas le choix avec les bâtiments qu'ils te donnent, quoi. J'aurais kiffé genre t'es des emplacements tout faits pour tout, mais avec des choix entre plusieurs modèles, tu vois, des trucs comme ça. Ça aurait été plus mon kiff. Après, il y en a qui adorent comme ça. Hein. Et de ce que moi j'aime, ça j'aurais.
J'aime bien voir les choses genre comme les bâtiments que tu payes et qui s'améliorent. Genre j'adore ce genre de truc. Faut faire la tortue, faut faire la quête. Un métang apparaît. Ça va, ça rame pas pour toi non plus, mamie. Je me demande ce que ça impacte au fait que de mon côté ça soit en rouge en fait. Que si vous ça impacte pas, c'est que c'est moi que ça doit faire un truc merdique. Mais... je dois pêcher. Alors j'ai quoi là? On a... Ah oui, c'est du hareng. Donc, pour la quête. Donc du hareng, on en a sur du pain. Les tortues, elles sont toujours là-bas. Ça, c'est du pain qu'il faut pêcher. Ils ont pas été trop vaches. Ouais, parce qu'objectif, avancer sur le pass. Et on va continuer la quête de Scar. En faisant nos petits succès internes, ramasser tant de bananes, etc. Quoi. C'est des petits trucs qu'on fait avec le temps, mais. Nourrir les animaux. Après je regarderai un autre tuto cet après-midi. Hier j'ai pas eu le temps parce qu'on est allé faire les courses avec Alex, ça a pris du temps. Ça prend notre repas de nos 5 ans. Alex a préparé un truc trop bon. J'essaie de regarder un autre. Après, peut-être qu'il faut redémarrer le PC. C'est pour ça que je vois pas la différence depuis tout à l'heure. J'ai relancé quand même OBS à chaque fois, mais. Des fois, à l'informatique, vous savez ce que c'est. Bon, je fais attention que vous ayez le transco quand même au cas où pour ceux qui n'ont pas la connexion. Coucou Little Juju, coucou les arrivants. Installez-vous. Petite session pêche, ça faisait longtemps. C'est bien parce que ça motive encore plus à aller faire la session. Parce que j'adore ça, mais en même temps, c'est le truc que je prends moins le temps de faire. Comme ça prend. J'ai pris premium plus. Avec le calcul, on perd moins de... Bon, bien sûr, faut avoir le temps de tout finir, mais... Moi, ça va, niveau temps.
de découvrir le jeu sponsor aujourd'hui. Bon, même si c'est qu'une démo. Il a l'air tout pipou et en même temps c'est un robot. Pas de fin. Ça, niveau découverte cette semaine, on va être. On va être bien. Ça va être le premium. Enfin, le premium plus, pardon. Par contre, ce qui est bien, si jamais il y a un poste qui te plaît pas, c'est que tu peux récupérer des lunes sans le prendre, quoi, avec le truc gratuit. Ça, c'est le bon côté. Ouais, ok, c'est le premium plus. Comme moi, ouais. C'est plus intéressant en fait. Parce que la dernière page, tu peux la prendre plusieurs fois. Donc tu perds moins. Mais comme ils le disent pas, la plupart des gens se disent que le premium plus, tu perds beaucoup et en fait non. Enfin, c'était fait avoir sur la première fois. Même si c'est que 100 de. Tu perds 100 de lune de moins. Bah 100 plus 100 plus 100, à un moment donné, ça te fait un passe quoi. On est tous pareils là-dessus. Y'a pas de petites économies. Et d'autant plus, je pense, pour les gens qui ont pris un pack. Moyen ou gros. Bon, encore j'ai pris celui à 30. Il n'y a plus de poisson. Ils ont tous peur de moi. Non. Ouais, t'as attendu de voir un peu. Bah moi là-bas c'est ça que je voulais attendre. Et puis il y a eu l'event d'Halloween là qui est terminé maintenant. Et il y avait une quête où il me fallait quelque chose que j'avais pas et il y avait dans le pass alors du coup. J'avais pas trouvé encore un jeu donc. Fallu que je me décide rapidement quoi et envoyer le calcul de savoir lequel était plus intéressant au niveau de perdre moins de lune. Ok, c'est parti. On va prendre celui-là. À la base ouais, je voulais voir un peu combien je faisais de citrouilles. Et boud. Ah, trop bien. Ça va arroser toutes les plantes que j'ai pas encore arrosées. Aller faire un tour vite fait aux plantes voir si elles ont poussé. Alors,
Coucou Apple, comment ça va? Dis pas que toutes les fleurs sont de l'autre côté. Bah tranquillou, on se réveille tranquillement. Doucement, doucement. Et je plante du poivron pour... C'est vrai que j'aime bien les petites quêtes du pass, ça donne un petit objectif. C'est quelque chose que j'aime bien. Je l'avais vu dans les cadeaux et que j'avais dit mince, j'ai jamais trouvé ça. Ouais, j'avoue quoi. Ça, je comprends. Ouais, j'ai pas la musique. Ils sont ça dans la musique. J'ai fait casser la musique. Allez, j'ai cassé la musique. Il y avait pas la musique des... du mini-jeu. Ah mais attends, il y a pas la musique de zone non plus. Casser le jeu en fait. On va casser le jeu. Un peu mieux. Ouais. C'est un peu pris quoi. Tant que la fièvre est retombée, c'est déjà le plus important. Ah ouais. Bah moi c'est la première fois depuis un moment parce que bon il y a déjà eu le petit par le passé. Hein. Du niveau 3 avec du maïs pour faire les deux quêtes en un. Et alors parce que je connais beaucoup de plats avec du maïs. Ah si, il y a celle-là. C'est du 5. Ouais, c'est ça. La fièvre est tombée, c'est cool. C'est plus important. Mais il a pas de chance, hein. Après, il est peut-être en ce moment, il est peut-être un peu plus fatigué, un peu plus fragile, non? Puis les changements de température aussi, là, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Quand mes parents sont venus dimanche, j'ai laissé la fenêtre ouverte tout le temps et on n'avait pas froid ni rien. Et je sais plus, l'autre jour. Avant-hier, il faisait super froid. Coucou dames, bienvenue à toi, comment vas-tu? Du coup, tu sais pas trop comment habiller les enfants, j'imagine. Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas comment les habiller et puis ils attrapent la crève. Tranquillou, tranquillou. Oh, un Goopix. Attendez, je le veux.
Je veux le Goopix. Ah merde, je fais Poké Check. Je peux l'attraper, moi. Ah ouais, c'est ça. Ah, je suis bien contente d'avoir fait un truc qu'il fallait à ma nièce. Du coup, ma soeur elle le met. J'avais offert un petit gilet avec capuche. Et dessus, il y a des oreilles d'animaux, quoi. Trop mignon. Et ça fait un peu gilet mi-saison, justement. Donc, parfait. J'avais bien calculé. Je vais faire cet été, mais j'avais calculé que ça soit pour la rentrée. Qu'elle fasse la taille qu'il faut. J'avais pris plus. Et là, ça. Ça convient bien, du coup. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Déjà, pour nous, c'est chiant. Alors qu'on refasse le plein de petites choses. Salade et compagnie. Pas fini. 2 et 1. Ok, il nous en faut 2 encore. On va faire 2 quêtes en même temps. Et ça va faire des sous aussi. A tout à l'heure, Mimi. Mon café. Alors, faut qu'on continue les harengs et le poisson. Faut qu'on aille voir Ursula. Oh, des carpes. Aigues marines brillantes. Les aigues marines. Des plages et forêts. Je savais qu'on allait sur la plage, mais je savais une forêt. Bon, je continue de prendre tout ça. Je regarde. Elle me dit, je vais voir. Oh, tu sais ce qui serait génial. Après c'est pas du légendaire, mais c'est peut-être du bleu carpe. Pas blanc ou bleu. Pas plus c'est là. Le carpe j'en ai déjà attrapé. Quand j'ai pas jamais attrapé, je regarde pas, mais quand j'ai déjà attrapé. J'en ai 3 à nouveau et je l'avais pas. Carpe, forêt et plateau ensoleillé. À mon avis, c'est du blanc s'ils font pas trop dur. Ah, j'ai ça à ouvrir. J'ai 2 sacs à ouvrir. Ah, celui que je viens de trouver, ouais, il est magnifique. C'est un endroit où je passe tout le temps, mais j'avais jamais... Merde, je vais prendre la pierre. J'en avais jamais vu de légendaire, donc. Mais je pense que ce qui me manque, c'est dans les dernières zones, au plateau, c'est les endroits où j'ai le moins pêché.
Mais c'est vrai que ça, c'est des choses que je me presse pas de faire parce que, avec le temps. Comme tous les jours, je fais le blabla avec les persos, comme ça, ça monte le sujet, quoi. Au revoir. Petit à petit, quoi. Ouais, je reprends des coquillages un peu. Bah, je pense qu'ils ont mis beaucoup de pêche parce qu'ils ont dû... Bah, comme dans tous les jeux, les gens pêchent pas beaucoup. Avec le bateau de Vaiana, bah du coup, t'as un peu moins de raison de pêcher, tu vois. Et moi qui adore la pêche, c'est vrai que je pêche pas souvent parce que... Bah, y a... T'as tellement de choses à faire et ça, c'est ce qui est un peu moins utile, quoi. Après, ça détend, c'est clair. C'est vrai que tu t'avances pas trop sur l'histoire ou le truc en pêchant, quoi. C'est plutôt un truc de, on va dire, de fin de jeu, si tu... Si tu... Enfin, je comprends, en fin de jeu, quoi. Il y a du coup, c'est mis régulièrement. Mais c'est cool, justement, qu'ils aient mis des quêtes de pêche. Moi, je suis contente. Ça me donne une excuse pour aller pêcher. La technique. Oh, ça va. Et toi, Dingo, ça va? Pas tant que ça, hein, ta bouffe. Mais bon. 52 000. Oh. J'avais dit qu'il fallait que j'améliore le bateau de Vaiana. On a fini le champ de Wally. Maintenant le bateau de Vaiana. Je crois que les trucs de vente depuis que j'ai tout monté. Ah, je suis pas sûr le dernier. T'as fini toutes les quêtes des persos, Apple, ou pas? J'ai Picsou qui m'en a redonné une, là, récemment. On a encore ajouté un truc de décoration. Moi, je vais mettre des sols, hein, parce que... Mais non, je veux pas ça, je veux améliorer... Oh, bon. Bonjour. 5000. Alors la différence c'est qu'il y a trois, il y a deux petits trucs roses en haut. C'est combien la prochaine amélioration? Salutations voisin. 30 000, wow. Parfait. J'imagine qu'il restait 40 000. Encore démissionné, ouais. Bah, c'est de pire en pire les conditions de travail. Et puis surtout dans ton milieu, quoi. Ouais, mais peut-être qu'elle était pas géniale parce que justement ça se passait mal. Tu vois. Parce que quand t'es pas bien dans ton boulot, bah forcément t'as pas trop envie de faire des efforts non plus. Moi je comprends après. Je comprends, bah c'est vrai que quand tu te sens mal, tu. Mal, hein. C'est difficile de faire un travail exemplaire. Oh, ça intensifie l'orage, j'adore. Ils ont changé un peu les tempêtes, ils les ont améliorées. Par contre, ça peut peut-être faire peur à vos enfants parfois. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien amélioré, le côté tempête et orage. Ouais, voilà, elle se sentait pas bien. Après, c'est pas toujours évident parce que, bah... Quand tu peux pas te le permettre financièrement... Ah, 400 bananes. 900 bananes et on aura fini.
Il a dit petit à petit. Ah, j'adore la pluie. Le pied. Ah, c'est vrai qu'il est sympa, Adams. Alors, il est pas parfait, mais il y a eu de l'amélioration, même si j'étais un petit peu déçu de leur event d'Halloween. Dans le sens où tout le monde pouvait pas le faire. Mais ils se sont améliorés, ils ont mis des cinématiques sur la jour. C'était vraiment ce qui manquait. T'avais des. Bon, sur les quêtes de base, de mon avis, ils ont pas changé, ils ont laissé comme c'était. Mais en gros, t'avais des coupures, t'avais écran noir. Un peu à l'arrache. Il se passait quelque chose qu'il pouvait pas montrer. Mais avec la nouvelle mage Escar, ils ont mis des cinématiques et ça c'est. C'est Vaiana qui chante comme ça. J'allais dire GG le vélo. Le bot pour coquer. J'ai level up le bot. Vous avez vu les orages au fond? C'est magnifique. Et les éclairs, pardon. J'adore. Ah ouais, non, mais moi je continue à te dire de pas le prendre sur Switch. Hein. Même s'ils ont amélioré le truc. Alors si vraiment t'as pas le choix, t'as que cette console. Mais j'ai plus de mauvais retours sur Switch que de bons en fait. Mais bon, la console elle a moins sous le capot, et le jeu il est pas encore totalement peut-être optimisé ou trop gourmand pour la console. C'est vrai que si t'as le choix entre les deux, à moins vraiment tu veux y jouer à manger dans ton lit. Mais alors moi personnellement, c'est typiquement le genre de jeu où je jouerais pas à manger dans mon lit parce que tu dors avec la musique. Hein. Tu vas t'endormir toute la journée et tu vas faire que dormir. Moi les jeux tout doux mignons, franchement c'est vraiment les jeux que je ferais jamais dans mon lit sur ma Switch. C'est de la connerie. C'est la différence entre la AED et la normale, c'est l'écran. C'est juste l'écran. Y'a quasiment rien qui change, c'est juste que t'as un écran OLED. C'est Rina, bien à toi, comment vas-tu? Non mais ça sert à rien, là. Franchement la OLED elle sert à rien. Voilà, t'as peut-être plus de place, mais bon, achète une carte SD U3 et voilà. Moi, pour mon père, la LED elle était sortie. J'aime bien le nom LED. Et je lui ai pris la classique. Hein. Bon, la différence de prix, on a pu lui prendre un jeu, quoi. En plus. Il fallait pas aller là, faut rester là-bas, Jackie. On n'est pas encore à cette zone. Là, on pêche. Arrête de suivre les papillons. Merci pour follow, Cyrus. Là, on a déjà fait deux quêtes. On passe. Et là, avec ça, on va faire deux autres quêtes. En plus de faire mes succès. Merci pour le follow. Je rappelle, j'ai mis la 1080p depuis deux jours sur le stream. Si jamais. Bon, bien sûr, sauf si c'est votre cours, mais si vous avez une bonne connexion. Et des petits soucis, n'hésitez pas à me le dire parce que je fais encore les réglages pour que ça soit fluide. Je m'excuse si par moment ça allait pas trop. Mais il y avait un petit souci.
n'hésitez pas à me le dire, quoi. Sache. Mais pour le moment, vous avez pas l'air d'avoir eu de soucis depuis hier. Même si j'ai refait des changements comparé à hier. Un Fantominus! Désolé. Il veut un Fantominus. Alors pour le moment, on peut pas faire évoluer les Pokémon. Et j'ai vu que peut-être par la suite on pourra avec ce jeu. Et le level max c'est 20, je crois que j'ai lu hier. Après c'est marqué point d'exclamation Poké Help, c'est la même. Mais je contrôle pas encore totalement le truc, hein. Je découvre avec vous. Avant de l'installer, il n'y avait aucune info particulière. Mais... La musique est revenue. On a réparé la musique. Je t'ai jamais caressé, toi. Ça, c'est depuis la dernière mèche, on peut caresser les. D'accord. Et bien là. Il me regarde pas, il regarde les arbres. Oh là là. On va faire caresser le petit cochon, c'était plus mignon. Au moins, lui, il avait la branque. Avec la Pokéball, il y a 30% de chance de capture. Avec la Great Ball, donc Super Ball, il y a 50% de chance. Et avec l'Hyper Ball, je sais pas. Je crois que c'est Ultra Ball. Il y a 80% de chance de capture. Jamais. Si vous voulez capturer avec autre chose qu'une Pokéball, faire inscription Pokécatch, espace, Great Ball ou Ultra Ball, enfin la Ball que vous voulez. Je commence à apprendre un petit peu le truc, quoi. C'est fini. Pourquoi? J'adore la plage. Mais ça, on le sait que j'adore la plage. C'est la partie la plus décorée où il y a le plus de maisons. Bon, en même temps, les maisons qu'on nous a données à mettre, pour la plupart, je trouve qu'elles vont mieux sur la plage. On peut les mettre ailleurs, mais en RP. Déjà, j'attends de pouvoir mieux nettoyer la zone de neige pour dégager la maison de la forêt et la maison de la neige. Ça va pas trop, en fait, je trouve. Dans la... Faudrait que je fasse ces trous-là aussi. Je pense pas les faire, je les fais plus tôt. Ouais que je les fais. Je vais pas parler aujourd'hui, juste pour faire le blabla du jour. Alors je lis plus parce que c'est toujours la même chose à bout d'un. Les conversations reviennent, bon voilà. Une crevette. Thank you.
Un meuble? Je suis dans quoi le meuble? Canapé moderne beige. Je sais pas, non. La cri cri qui pêche. Bordel. Ils sont où les poissons? Ils poussent pas vite là. Ouais, moi je dis pousser pour les poissons. Pas comprendre. On va vendre des trucs ou pas? Salut! 27 harons. On se refasse un peu de sous. Hein. Moi aussi, il faudra que je fasse ça à un moment donné. Les zones, on n'a pas encore été aujourd'hui. Après, là, ça va quand même. Nutels, on a fini. Un peu plus aujourd'hui. On verra en fonction de à quelle heure je finis le... Quelle heure il est après que je serai en dessous. Peut-être qu'on ira sur Blue Dent. Pas. Ah aujourd'hui. Les poissons ont du mal à venir, je trouve, comparé à d'habitude. Ils ont changé le taux de... Ils ont pas refait le pont. Avec le sable et le bois. J'ai l'impression qu'il est mieux fait qu'avant. Je lis pas les patch notes pour pas me spoil, mais c'est vrai que s'ils font des petits changements comme ça, du coup... J'ai l'impression que ça revient moins vite, les poissons, que d'habitude. Peut-être changer le taux d'apparition. Enfin, le temps. Calamar. Allez, on va faire plein de fleurs un peu en même temps. Installez-vous. Bah ça c'est normal parce que c'est en fait c'est par zone. Et première zone ça réapparaît très vite, après vite et après voilà, plus tu vas sur des zones les plus chères on va dire à débloquer, le taux de repop est lent. Et plus le truc qu'ils ont fait là avec certaines zones. En gros au début, il faut du courage, tu peux pas passer les ponts. C'est fermé, t'as pas les outils pour. Donc si tu ramasses tout ce qu'il y a là, par exemple les fleurs, moi j'étais bloquée, et que t'as pas ramassé celle-là,
En fait, elles réapparaissent pas ici parce qu'en fait, le taux de réapparition est pour toute cette zone-là. À moins qu'ils aient changé depuis la mage. Et c'était pareil pour là et là, quoi. Donc moi j'avais eu ça, je croyais que c'était un bug. Et en fait c'est une fois que j'ai débloqué un endroit comme ça, j'ai vu que c'était pas un bug, c'était voulu. Je trouvais ça assez débile du coup. Parce que moi du coup j'étais bloqué dans une quête. Parce que j'avais tout ramassé la première fois que j'étais rentré dans la zone, tu vois. Et j'avais pas encore la quête ramasser telle ou telle fleur. Et tu peux pas utiliser celle que t'as déjà dans le coffre pour la quête. Ouais, c'est bloqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste que quand tu le sais pas, toi c'est pas très logique. Bah t'imagines que t'as un bug. Alors que non, c'est juste voulu par le jeu. Ouais, t'es bloqué. Faut le deviner, quoi. On va avoir tout là. D'un coup, il y a une brume. Elle est tombée d'un coup. Vraiment d'un coup. Ça, on a que les courses de champ à temps. J'ai hâte aussi de découvrir The Champ. Alors par contre The Champ, attention, bah sur ça. Vous avez les enfants derrière quand je serai dessus parce que c'est ambiance un peu fronte. Après je sais pas à quel degré, mais je préfère prévenir quand on sera dessus. C'est cool ça. Alors ça j'adore quand ça fait ça. Ça me fait gagner du temps. C'est vraiment cool. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrête pas de rater mes pêches. Mais pourquoi? Centré. Je me demande si Brixa a cédé à Eric ou pas. Un Netoraptor apparaît, les chocobos. Une sorte d'oiseau, il me semble. On est à combien de poissons? Ah, mais j'ai peut-être fini. Ah, mais j'ai fini en fait. Et moi je suis en train de continuer comme une gogole. Alors on va faire une conversation avec Ursula, attraper des carpes. Ah,
t'as plus de Pokéball Apple. Egg Marine encore. Gagner des pièces. Bon, ça, ça va se faire. Surtout si on vend des carpes et des. Ah non, les poivrons, il faut juste les récolter. Quoique, je vais les vendre. Retirer les épines nocturnes. Alors, il faut que je passe par chez moi. Il faut qu'on aille voir celui-là aussi. Ils dorment tous, il se passe quoi? C'est feignant là. À chaque fois, Ursula, pour la trouver, c'est l'enfer. Ah bah non, elle est chez elle. Le seul endroit où j'ai parlé, c'est d'habitude, elle est en vadrouille. Est-ce que je peux y accéder chez elle? Pas y accéder. Bon, je vais attendre qu'elle bouge. Le problème, soit tu fais une belle déco, soit tu fais un truc accessible. Merde. T'en achètes sous le... À moins que tu sois sur le téléphone. Bah tout le monde, il y a Kiki Dor. Il y a... Donald, Dingo, Eric, Ariel, Mini. Les pioncés là. Ranger un peu mon bordel. Alors le poisson. Ah mais j'avais plus de ça en plus, parfait. J'ai besoin d'en récupérer. Et les fleurs, et les fleurs. Ah oui, ça il m'en faut pour la quête. En même temps, on va prendre pour la quête. Ça va. C'est mon bordel à moi. Toute la pierre. Alors ça c'est là. Il me faut quoi d'autre? De la citrine. Et là, un lingot de fer. Un goût de fer, il en faut juste un. Nouveau, on peut faire de la terre. Avec de la terre enrichie, on peut faire de la terre. Ah, c'est ça. Ouah, c'est nouveau. Alors oui, il y a les trucs que j'ai récupérés de... Mais j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté des trucs de... pour Halloween. Puis quand qu'ils ont mis ça? Couronne d'automne, on met ça où? Elle est pas mal la couronne d'automne. Il me faut de la corde. Sermion.
Mets-moi à côté. Il me faut quoi? Citrine? C'est quoi déjà? Je sais plus ce que c'est. C'est une pierre? Plus comme ça. Putain, le nombre de vêtements et de meubles qui existent. Ah ouais, c'est une pierre. Plateau ensoleillé et bahut de la confusion. J'en ai pas de celle-là? Ah mais si, j'en ai. Pas vu. Parfait. Je dois apporter ça à Mergothel. Ah oui, parce qu'il voulait que je change de fringue. Je me souviens. Oula, j'ai eu une latence. Salut mon ami. Merci mon ami. Non mais je vais pas parler à Wally, je vais ramasser ce putain de bout de bois. Oh bordel. Mergothel, il faut aussi parler à... Là. Elle est là, Ursula, elle est plus chez elle. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est là. Je la vois pas à chaque fois. Coucou Drix, si, coucou Pépite, coucou Rétro. Alors, il me faut aussi ça pour les bon. Crocos. Est-ce que tu as l'intention de m'aider ou non? Ou non. Celui-là qui est là. D'accord. Tu voulais éviter. Arrêtez de passer à travers. Et vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle est passée à travers la carte, elle est revenue là. Alors, affaire conclue. Waouh, c'était trop bizarre. Avec de l'ail. D'ailleurs, enfin, je vois un peu mes récompenses. On était ici. Ça. Cette page-là, je veux ça au prix. Ça. Il y a un croco orange là. Bon appétit. Il est
êtes trop mignon. Qui veut un petit croco? Il m'a nourrir une bestiole. J'ai pas vu de coffre bleu encore là. Oh, vilain. Il a croqué, ouais. Ah, ça va vraiment éprouvé là, les crocos. Bon, animation mignonnerie. Hein. Les crocos, les crocos, les crocos, il a sur le bord des nids. Ouah! Double mini-jeu là. C'est pas parce que j'ai pas le son. Non, elle a de la pierre. Hein. Ah, il y a le verre là. Il y a un verre aussi à faire. Il est parti là-bas. Pas les gens derrière moi, il aura un classique. Après, je crois que le succès de leur nourriture préférée, j'ai fini. Alors ça c'est bon, merci là c'est bon. Il faut parler à mamie gâteau maintenant. Elle est où même? Elle a bougé bien évidemment. Elle était juste là. Et à peine j'ai eu le temps de me retourner, elle a bougé. Elle est partie. Elle est là-bas. Ah puis j'ai aussi ça à faire. T'aurais pas pu te caler encore plus dans un petit coin, toi. Hein. Oh là 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 là. Donc on a dit quoi dans la forêt du courage? Ah oui, la carpe, je crois. Et les pierres qu'on a besoin aussi, je crois. Ah. Merde, je l'avais pas vu qu'il était là. Je me suis arrêté un chouïa trop tard. Un peu un 2-3 soleil avec eux. À force de le faire, ça me fait penser à ça. Et si les cultures sont prêtes? Ouh, Nosferatu. Il me faut tout ce que j'ai. Je le veux.
Alors, on va finir de mettre ça, et puis après les citrouilles. On va racheter des graines aussi. Poire et Devil, Coco Gavine. Est-ce que ma Migato est encore là? Forcément, elle a rebougé entre temps. Elle est relou. Il fallait que je fasse E avant d'oublier. Elle reste pas longtemps dans leur zone. Hein. Oh, parce qu'il y a le bâtiment. D'accord, c'est bien malin de mettre ça là. C'est bon, mamie gâteau, j'ai tout ce qu'il te faut. Ah, il y a le lapin rare. Le lapin rare est là. Ah, je crois que c'est le rare. Ah non, bah si. Ah bah oui, avec le changement d'heure. Normalement, il arrive à partir de 8h, mais il y a le changement d'heure. C'est vrai que ça change aussi pour les animaux, du coup... Lui là, c'est le calico, c'est le lapin le plus rare. Un des plus rares. Je te taquine. Ah, tu vois là, et tu as tout ce que j'avais demandé. Il est là qu'aujourd'hui. Même les citrines, celles-là sont pour ma boîte à bijoux. Ouais, j'en étais sûre. Attends, tu n'avais pas besoin de gemmes, c'était juste pour ta boîte à bijoux. Tu aurais juste pu demander. Considère cela comme un paiement pour mes services. Et que cela te serve de leçon, rien n'est gratuit. Non mais je m'en doutais, hein. Voilà ton manteau, comme promis. Bonne chance avec cet insupportable animal. Oh, quelle horreur. J'espère que ça va rendre mieux sur moi. On n'a pas le choix, faut le porter. C'est horrible. C'est vraiment affreux. J'ai rien pour le petit lapin, par contre. J'arrive, je vais t'acheter une salade. Tiens, salut. Scar, il s'est épé à moi. C'est mon manteau de fourrure qui l'attire. Comment ça va, Brixa? Bah moi, tranquillou, tranquillou. J'avance pas mal sur mes quêtes. De passe. Et là, on va faire celle de Scar. J'ai fait 4 quêtes de passe, là. Oh, parfait. Maintenant, tu comprends. C'est quoi? C'était pas si difficile, n'est-ce pas? Même un facochère aurait pu le faire. Je suppose que j'aurais te dire la raison de ma mauvaise humeur. Oh. C'est simple, je suis affamée. Il n'y a pratiquement aucune proie à manger pour moi dans ce village. Ah. Bien sûr, j'ai effectivement vu un de tes voisins à plume dodue. Mais je présume que tu n'apprécieras pas que j'en mange un. Je veux bien manger la reine des... Je crois pas qu'ils aient bon goût. J'imagine que tu as raison, mais quand bien même, j'ai besoin de manger quelque chose. Tu pourrais manger du poisson. Les chats adorent le poisson. Peut-être que tes petits chats en mangent, mais j'aurais besoin d'un plat de poisson fait pour un lion. Je suis affamée. D'accord, d'accord. Je crois que Rémi est le mieux placé. Le rat, c'est à peine un amuse-bouche, mais si je n'ai pas le choix. Non, non, je voulais dire que nous pourrions demander de l'aide à Rémi pour te faire à manger. Ah, je me souviens des repas nauséabonds qu'il faisait avant l'oubli. J'espère pour ton bien qu'il s'est amélioré. Je n'ai rien contre manger un rongeur si je n'ai pas le choix. Allez parler à Rémi, reste ici et ne mange personne. Ah,
peu moins Jérémy à la limite. Pas très attaché. On s'en fout. Il est où Rémy? Il est tout petit pour le trouver. Il est là. Pourquoi j'ai... C'est quoi ce bug? J'ai plus mes TP. Allô, j'ai cassé le jeu. Mes TP ont disparu. Bordel. J'ai cassé le jeu. Pourtant, il est bien là, la fontaine. Ami, j'ai cassé le jeu. Mais reviens, j'ai cassé le jeu. Oh bonjour Chaka, c'est un plaisir de te voir. J'espère que tu es là pour manger car j'ai des choses fabuleuses au menu. Attends, le manteau que tu portes, il me rappelle quelque chose. Quelqu'un. Oh non. Donc je cuisine pour Scar, le critique gastronomique le plus difficile de toute la vallée. Il est tellement affamé que les villageois ressemblent à de la nourriture à ses yeux. Il veut dire je suis au menu. Bon, faisons tout ce que nous pouvons pour éviter ça. Tu vas devoir m'aider en préparant le plat principal. Je pense à des sushis frais. C'est meilleur quand ça vient d'être fait. Je m'occuperai du dessert. Voici les recettes. Merci. Tant que je les ai. Ah. Bah qui autant j'avais pas par contre. Mais arrêtez de tous vous bloquer là! Ah, c'est bon, c'est réapparu. Pas tous, mais lui il est réapparu. Non, mais sérieusement. J'ai cassé le jeu! Elle veut quoi des frites? Alors, je t'aime bien, mais t'es dans mes pattes. Maki. Non mais dans tout. Au saumon. J'ai plus d'algues. Bon, faut qu'on aille pêcher. Utiliser pour notre quête d'avant. Est-ce que je peux changer de tenue à votre avis ou faut que j'ai... Oh, ça se fait que j'ai plus mes TP. C'est un bug connu. Là qu'on a déjà eu ce... J'avoue que ça me faisait bien gagner du temps quand même. Ah, j'ai découvert un nouveau poisson aujourd'hui avec ça. J'ai pas encore pêché. Mais il y en a encore deux qui me... Mère, coucou Chris, coucou Liora. Ah mais... Non, j'ai un bug que personne n'a jamais. Je peux pas. À mon avis, il y en a d'autres qui l'ont. Quelqu'un lui explique que pêcher des algues comme ça c'est un peu débile. Tu vas dans l'eau, tu ramasses tout et c'est bon. Ah, et on a amélioré deux fois le bateau aujourd'hui. Je veux pas plus là, il me faut beaucoup de sous. Je pense que je peux vendre des trucs. Ah, faudrait que je fasse le tri d'abord. Au moins j'ai cette épée là. C'est toujours ici. C'est le bon côté.
Par exemple, la prochaine fois, les trucs qui fait pousser Wally, je les garde et que je les vende pas, parce que là, j'ai commencé à taper un petit peu trop dans mon stock. Mais ça va le faire. Moi je les ai pas du tout finis, mais j'ai pas énormément joué depuis la mise à jour. Et puis comme il y a eu l'event d'Halloween, je l'ai favorisé. Par contre j'ai découvert un truc, je sais pas si t'as vu, mais il y a des nouveaux meubles qui ont été ajoutés pour l'automne. Il y a toute une collection qui a été ajoutée. Un petit point. Alors ça, je sais pas non plus si c'est collection d'automne, parce que bon, il y a des trucs que j'ai acheté à Eric, des plans, et j'avais pas vu moi. J'avais pas vu, c'est parce que là j'avais une quête avec Scar d'aller faire des trucs, mais sinon... J'avoue que je vais pas souvent là-dedans, parce que pour le moment, niveau déco, je fais pas grand chose. On parlait que pas 10 000 pièces encore. Et au niveau intérieur, à part m'être fait une chambre à coucher. Salon cuisine. Quoi? Ah merde, c'est deux de chaque! Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est chiant. J'ai toujours pas mes TP. Ah, oh, c'est vraiment relou. Quoique, je suis obligée d'aller aussi loin pour les Alguinal. Pas fait gaffe, j'ai cru qu'il y avait marqué 1 sur 1. Je suis tête en l'air. Ah, par contre, avec le changement d'heure, oh, c'est horrible pour celui qui me manque le dimanche matin. Je pourrais plus le faire là. Déjà qu'avant c'était galère, enfin je me lève encore plus tôt le dimanche. Bordel de merde. Oh, Crémy. Ah, c'est trop mignon les Crémy. Enfin. J'adore les Crémy. Enfin. Du coup, ça veut dire que t'as tout fini, toutes tes quêtes, t'as tout récupéré. Après, faut que ça soit faisable quand même pour les enfants, tu vois. Peut-être que pour toi, c'était très rapide, mais pour un enfant, c'est peut-être... Des fois, c'est ça aussi, hein. Faut pas que ce soit trop dur.
Ah, Rémi, là. Salut! T'es encore surpassé. Ça a l'air assez bon pour être servi dans n'importe quel restaurant gastronomique. Pendant que tu t'occupais du plat principal, j'ai fait un gâteau à la noix de coco, qui, j'en suis persuadé, rassasiera suffisamment Scar pour qu'il ne dévore plus qui que ce soit. Allons lui donner ensemble, l'union fait la force, pas vrai? Merci! Va finir manger, toi. Toi qui m'a dit que tu avais faim, alors nous t'avons préparé un petit frishti qui devrait te plaire. Un frishti, c'est quoi un frishti? Oui, je l'ai attrapé! C'est quoi un frishti? Quelqu'un a déjà vu ce mot? Coucou Milouche, coucou Jublonblon. Les sushis frais du jour. Et un gâteau à la noix de coco. Je crois qu'il aime la noix de coco. Voyons cela. Ce gâteau, as-tu dit? Il est sec, insipide et manque cruellement de zèbre ou de gazelle. Reprends-le, je ne veux plus le voir. Mais le poisson est... acceptable. Cette préparation est beaucoup plus intéressante que la carpe remuante qu'on m'a donnée auparavant. Je suis apaisé. Pour l'heure. N'imagine pas mon soulagement en entendant ça. Ah, une journée parfaite. Ça, j'ai blonblon. Ah bah, il y a un moment donné, ouais, où t'auras tout fait. Faudra attendre la suite. Oh, parfait. C'est toi. Ça veut dire repas? Ok. Langage familier. J'avais jamais entendu ce mot. Eh bien, Shakia, tes voisins ont gagné un répit de la part de mon appétitif carnassier. J'aurais pensé être plus gentil avec les autres. J'aurais plus gentil avec toi. Je ne veux pas de la gentillesse, je veux l'obéissance et le respect. Ah, une nouvelle quête. Oh, bonjour. Hop. Ah, bah voilà aussi. Va falloir, hein. Si tu veux tout faire. Bah après, moi, j'ai fait l'inverse de toi. J'ai calé les persos que je supportais pas. Je faisais une petite quête par-ci par-là, tu vois. Parce que quand il va te rester que eux deux, bah... ça va te faire chier à fond, quoi. Après, peut-être que tu vas expédier ça comme moi. Moi, je les ai pas, hein. Les persos que j'aimais pas... Ok, je dois te parler de quelque chose concernant mon territoire. Viens avec moi. Quel est le problème? Dis-moi, as-tu un moment dans ton emploi du temps surchargé pour explorer le plateau ensoleillé? Attends, qu'est-ce que je raconte? Tu ne t'éloignes jamais des endroits sûrs et familiers. Eh bien, si tu avais pris le temps, tu saurais qu'il y a des eaux de gnout absolument partout. Car as-tu mangé tous les gnous? Mon pifré de gnous, crois-tu vraiment que j'aurais besoin de demander à ce rongeur de me procurer de la nourriture? Il n'y a jamais eu de gnous sur le plateau ensoleillé. Il y a toujours eu des os. Je sais pas trop comment, ils apparaissent simplement de temps en temps. Je le jure. C'est étrange, mais j'imagine que beaucoup de choses concernant Dreamlight Valley sont plutôt bizarres. C'était pas un tel problème avant que tu décides de partir. Tu excellais pour déterrer les os et les enlever. Bien sûr, ta pelle royale était plus affûtée à l'époque. Enfin, me rappeler que ça avait quelque chose à voir avec ce pompeux de Picsou. Il a un moyen de renforcer ta pelle. Parfait, je vais aller parler à Monsieur Picsou pour renforcer ma pelle afin que nous puissions nettoyer le plateau. Ouh, trop bien! Allez, va! Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Salut les nazes! Coucou Pony Lumen, coucou Bambi Lane. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses bouquins qui volent, elle? Hé, hey, j'ai une mission pour toi! Salutations! Je réfléchis à ton prochain investissement. J'ai de nouvelles offres tous les jours. En fait, j'ai besoin de ton aide. Le plateau ensoleillé est jonché d'ossements de gnous. Ah, Escar t'a demandé de régler ça pour lui. Classique. Je sais, si tu continues de tout faire à sa place, il n'apprendra jamais. Oh, tu aides pas lui. Ah, j'imagine que tu as raison. Tu rends un service au village et mon entreprise bénéficiera grandement des nouveaux produits du plateau ensoleillé. Mais Escar doit apprendre à ne pas tout détruire ni s'attendre à ce que quelqu'un d'autre vienne pour résoudre ses problèmes à sa place. Ce moule devrait rendre ta pelle assez solide pour déblayer les ossements.
Attends, comment ça marche? Dois-je ajouter autre chose? Oui, mais je ne suis pas dans le domaine de la réparation de pelle. Peut-être que Scar peut t'aider pour la suite. Je te remercie. Pas d'accord. On voit la pelle, chacun leur tour. Je veux pas. Non! Elle peut pas. J'ai cassé le jeu. Ah, il y a Scar qui arrive. J'ai cassé le jeu, ta ta ta. J'ai cassé le jeu, ta ta. Oh, parfait. Regarde comment il court. C'est toi. Tu es de retour. Cela veut-il dire que je suis enfin libre de vagabonder sur l'intégralité de mon royaume? Je veux dire, ça va aller évidemment. Où as-tu d'autres questions ennuyeuses? Je suis coincé, j'ai le moule mais je ne sais pas quoi faire avec. Ah, je suis entouré d'imbéciles. Ah. Est-ce que mes pattes ont l'air d'être faites pour ce genre de choses? Ah, mais je me rappelle quelque chose. Avant l'oubli, tu avais l'habitude de rassembler du bois sec et de fabriquer quelque chose que tu appelais des lingots de fer. Ah. Ouais, bien sûr, il y a le problème des griffes de lion que tu dois ajouter à la mixture. Disons tes griffes, ne bouge pas, ça va un peu piquer. Ah, très drôle, j'en ai mal aux côtes. Non, j'ai bien peur que tu dois trouver les griffes de lion ailleurs. Avant que tu nous abandonnes et que tout le monde doit fuir vers leur royaume, certains lions avaient l'habitude d'errer sur le plateau et d'escalader les falaises. Parfois, nos griffes se cassaient sur les rochers. Tu devras chercher près des falaises sur le plateau. Tu peux y aller maintenant. Allons chercher des griffes. Pourquoi le matin ? C'est l'heure de préparer le menu. Ah, j'ai encore une petite latence par moment. C'est sur téléphone ou PC moins que ça? Il nous faut planter, planter. Téléphone. Fait les oiseaux ici. Waouh! Les autres, ça fait joli. Vous comprenez pas pourquoi il y avait plus de fleurs sur tout le reste. Tu m'étonnes, elles ont tout là. Des falaises. Ça peut être aussi de l'autre côté. Peut-être ça, ça brille. Ouais. Mais ça va être de l'autre côté, j'imagine. Et on va pouvoir casser tout ça et on va pouvoir récupérer le coffre. J'ai pas trouvé de coffre bleu encore. Peut-être qu'ils sont ici. J'ai les nouveaux objets à mettre aussi. Ça tombe bien parce que j'ai une quête. Là. Les corbeaux, j'ai pas trop d'idées pour le moment. Oh non. Ah putain, c'est bloqué. Je l'aurais pas parce que tout est bloqué. Ouais, et tout est bloqué. Hein. Il y a un coffre bleu là. C'est horrible quand t'as tout qui est bloqué.
Salut mon c'est ami. Ça, mais... Ah putain. Pendre. Ça j'en avais trop, ça j'en avais trop. Ça dépend lequel. Il y en a un ou deux, ça va, mais. Des cadeaux favoris à Merlin. Oh! H6. Il est où? Il était là il y a deux secondes. Ah. Je sens que c'est un truc super compliqué. T'as trouvé facilement toi ou... T'as galéré à trouver. T'as eu de la chance. J'ai le grand arbre à mettre aussi. J'ai plein de choses à mettre. Elle est où l'autre? Je vois plus. C'est lui? Ouais. Et je pense pas que ce soit un légume. Je pense pas que ce soit un fruit par rapport à tout ce que j'ai fait, mais les fleurs c'est pareil, on voulait pas. À moins que ce soit encore chez Rémi, mais ils abusent quoi. Bah ouais, j'avoue que c'est un peu... Et renard aussi, j'ai pas d'idée. Disons que même la catégorie, j'arrive pas à la trouver, tu vois. Au moins, tu trouves la catégorie, après, t'as plus qu'à peaufiner, mais. C'est comme ça que j'ai fait pour les autres. Ah, je voulais juste savoir si tu voyais une différence entre hier ou pas le stream. J'ai retouché encore un peu les réglages. Aussi loin. Faites, comment ça va? Au loin. Pourquoi ils le mettent si loin? J'ai tellement peu de pêcher dans cette zone que, à mon avis, les deux qui me manquent, ils sont... La carpe, je l'ai déjà, mais il m'en faut pour l'autre quête. Ah, tranquillou, tranquillou, on avance petit à petit. Aujourd'hui, comme...
d'elles hier, la ligne va être un petit peu différent. Ah oui, on a récupéré des grimes. C'est ça qu'on était venu chercher à la base. Après une falaise, non? C'est pas de ce côté en fait. Oh bordel. Oiseau à nourrir et on aura fait tout. Sauf les renards qu'on n'a pas essayé aujourd'hui. Ah les corbeaux, j'ai plus d'idées. Les fleurs, ils en voulaient pas non plus. Je me suis dit, bah, c'est un oiseau, il a aimé les fleurs aussi. Ou alors du poisson. Ah, on n'a pas essayé le poisson. Peut-être le poisson. On essaiera la prochaine. C'est vrai qu'il y a certains oiseaux qui se nourrissent de poisson. Peut-être que le renard aussi, c'est... Ah ah ! Je viens d'avoir une élimination. Est-ce que mes téléports sont revenus? Bon, moi je les capte. Oh. Le truc à pas faire. En plus, c'est le truc genre. Passe trop de temps dessus et au final, tu te fais des vite chier quoi. Ça manque de. Contenu de base quoi. Faut claquer 200 balles pour que ça commence à devenir intéressant. Quoi? Pourquoi tu me dis d'enlever ma quête? Bah, il est où le dernier? C'est dans cette zone, le dernier. Je suis avec toi. Ça me paraît très bizarre. Je crois que c'est un rapport avec ma quête. Non. J'avais pas encore cette quête quand j'ai lu. J'arrive pas à trouver la dernière, les gens. Bah, voyez-vous. Et de l'autre côté, il y avait pas. Vous pensez que c'est à l'intérieur de ça? Normalement, non, ça c'est à l'intérieur. Ça serait bizarre. Je suis peut-être bigleuse. Trouver là. Ah, elle est là, l'autre côté. Putain, mais c'est pas à côté de la falaise. Fabrique tête de pelle, griffe de. C'est de la falaise, on n'a pas la même notion de à côté de la falaise. Putain, des fois t'aimerais leur dire, mais putain, arrêtez de dire de la merde.
Qu'est-ce qu'on met comme vêtement? Enlever déjà. Ouais, qu'on change bientôt, quoi. Utilise. Alors, théoriquement, je peux maintenant faire des trucs trop bien avec ça. Waouh. Bon, après, c'est triste parce que j'aimais bien un peu le... ça faisait un peu de décoration, on va dire. Parce que c'est bien, ce qui est bien, c'est que ça donne tout ça. Ah, faut que je donne des cadeaux à Merlin, Pimpin. Ah, je vais pas te parler. Qu'est-ce que... Waouh. Sûr. T'as débranché, rebranché, voir. Des fois, c'est peut-être le câble. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon cher Merlin? Bonjour. Ça, j'ai. Oh mon dieu. Oh. Ensuite, tu veux quoi? Hors d'œuvre. Pestemon tombe en bleu. Merci. Pestemon, c'est pas loin. Quelle chance. Tu es la personne que je cherchais. Et... fleurs là, mais ils font bleu. Cette vallée est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. On se revoit très bientôt. Ah là, il y a du bleu. T'as vu, ils ont enlevé les... ils ont enlevé les musiques de... Ah, ou alors j'ai un bug, mais il n'y a plus les musiques des mini-jeux. Alors, d'un côté, je trouve ça bien parce que c'était super stressante. D'un autre côté, si tu fais pas gaffe, tu l'entends pas qu'il y a ça qui s'est déclenché. Des hors d'œuvre. C'est un bon côté et un mauvais côté en même temps. Je pense qu'il devrait faire au moins un son qui prévient. Ah non, c'est pas ça qu'il veut, c'est hors d'œuvre. Je sais, je les ai, mais pourquoi il se met pas en dessous? Ah, du coup, faut qu'on réfléchisse pour ton le jeu qu'on fait ensemble, Brixam. Tu es toujours le bienvenu dans mon restaurant. Ah, qu'on réfléchit. Je sais pas si t'as déjà des jeux... On voulait faire un coop. T'as fait un solo mais qui sont aussi en... Il est parti où Ah, il est reparti. Thank you.
Ah, j'essaie de regarder cet après-midi parce qu'il pourrait être te plaire, être intéressant. Les villageois comptent sur toi, mon ami. N'abandonne jamais. Je n'aurai pas. Alors, j'ai ça, j'ai plein de choses à vendre. Mais ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. J'ai l'impression que c'est des trucs que j'ai récupérés, que je devrais pas avoir. Alors que j'ai déjà utilisé, si vous voulez, pour une quête et que je les ai eu deux fois. C'est un peu bizarre. Faut avoir une histoire. Ça sert à let's play. Ouais, y'en a... Après, je sais pas, y'a les We Were Here, je sais pas si t'aimes. Enfin, We Were Here, toi, enfin, t'as tout. Pêcheur, on avait vu la Star du Valais qui se fait en duo aussi. Il y a plein de jeux. Bon, peut-être. Chemin à pied à chaque fois. Je vais voir si ça réapparaît pas en lançant le jeu. Vraiment chiant. Il met du temps. Ah, c'est bon, ça a tout refait réapparaître. Ah, mais non. Content de te voir. Les cadeaux la prochaine fois. Les poivrons, j'en ai pas récolté assez. Ah ouais, mais après j'en ai peut-être planté aujourd'hui. Alors il faut qu'on retourne voir Scar aussi.
Si ça ne te dérange pas. Je suis entouré d'imbéciles. Pardon ? Pour être honnête, tu n'es qu'à moitié imbécile. Après tout, tu as fait la moitié du travail. Tu as réussi à te débarrasser des plus petits os, mais les plus grands sont toujours là, coupant le plateau ensoleillé en deux. Je suppose que ça devra faire l'affaire, pour l'instant. Mais je ne me satisferai pas longtemps de ne régner que sur la moitié de mon royaume. Oh, parfait. Ah, te voilà. Si cela t'intéresse toujours de m'aider à récupérer notre territoire en entier, j'ai trouvé une solution. C'est du temps maintenant. Eh bien alors, il n'y a pas très longtemps, tu as enlevé certains des os de gnou qui jonchaient le plateau. Mais tu n'as réussi qu'à te débarrasser des plus petits, ce qui n'aide pas vraiment. Alors j'ai trouvé la solution pour tous les enlever. Tu devras parler à cette femelle du bayou de la confiance. Mamie Gâteau, pourquoi? Elle sait quelque chose. Elle savait comment passer à travers les os avant l'oubli. Qu'est-ce qui est passé entre vous deux? Elle refuse de me parler à cause d'une regrettable erreur. Vous penserez que c'est la première fois qu'elle se fait traquer par un lion. Et n'oublie pas, c'est notre petit son. Comment ça, Simba? En train de dormir sur sa chaise, le papy. Et papy, réveille-toi! J'imagine que ceux-là, c'est des gros. La prochaine fois, les gros. On va faire notre petite culture. Ah oui, j'ai relancé le jeu, fait chier. J'ai plus mon Wally. Ouh. Regardez vite fait la carte, j'ai plus raison, j'ai cru que c'était le reste. J'aime entendre tes petits bruitages quand je joue. N'importe comment. Elle suit la ligne, puis elle suit pas la ligne, puis elle suit la ligne. Puis... N'importe quoi. Coucou Décoli, coucou Noxy. N'empêche, on se prend plein de citrouilles sur la gueule, ça fait mal, Wally. Mais non mais bordel, pourquoi tu changes ta manière de planter? Enfin, elle plante toujours comme ça et là d'un coup elle décide qu'elle va à gauche. Oh bordel. On va en avoir là des citrouillons.
pense qu'à Noël, on partira sur autre chose que des citrouilles. Là, ça va, je me laisse encore un peu dans la saison. Mi-novembre. Après, je pense qu'on fera... Le poireau, ça peut être pas mal. C'est un peu ambiant. Ouais, j'imagine bien le poireau. Dans la neige, c'est joli. Sinon, je sais pas ce qu'il y a dans l'autre dernière zone. J'achète que dans les dernières zones. Maintenant, j'ai fini. Vas-y, des trucs assez longs à pousser parce que sinon, je fais que ça. Coyote, comment va? Parfait. Ah mais je veux pas lui parler. Lizzy, ça va, bien dormi. Encore casser la musique. Alors quand je casse les TP, quand je casse pas les TP, je casse la musique. Oh là là là. Oh là 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 là. Avec le temps ou pas, parce que c'est je vais rechanger les paroles. Et peut-être c'est trop, Kevin, c'est trop. En plus de ces trolls. Bon, y'a que la dernière zone, on n'a pas été faire pour le moment, mais je trouve que toutes les autres animaux on a fait. Et à niveau 4 du pass, on a fait beaucoup, genre on a fait 4-5. Peut-être 6 même. Non, on a fait 5-6. Et j'ai commencé à en faire une 7ème, mais il faut. On va pouvoir améliorer le bateau, encore. Ah, il faut qu'on fasse encore un peu d'aigle marine. Ah oui, c'est comme les lapins. Eh bien.
Les renards, je les trouve pas très beaux. Sauf peut-être celui qui est orange. Là, c'est... Ok, bah c'est bien ça alors. J'ai une bonne idée d'un coup. Ça fait tilt. C'est pas sa préférée, hein, forcément. C'est du blanc. Là, j'ai du bleu. À mon avis, il faudra du légendaire. Comme les crocs. Ah, je trouve qu'ils ont une tête qui fait flipper. En fait, j'ai trop flippant. Merde. Ah non, vraiment, les renards, j'accroche pas du tout. Ça va trop mal, légendaire, toi. Pas beaucoup d'eau ici. D'avoir autant d'amis. Ah, moi c'est les crocos mes préférés. Ils sont trop mignons, puis ça, leur manière de bouger et tout quand ils sont heureux. Après, s'il n'y a pas de légendaire, je vais lui donner du bleu, c'est pas grave. Hein. Et la prochaine fois. Ah mais putain, mais j'arrête pas de rater en ce moment. Pousse, non. Oh. C'est que vous êtes pas difficile. Tauros apparaît. Un taurus sauvage apparaît. Talate, talate. Par contre, le crabe est 3 millions. On peut avoir des crabes à la place. Oh, un puzzle. Ah, je vais attraper le taurus, moi. Bon, au moins on aura trouvé ça. Je voulais voir. Pour améliorer le bateau. Et les pierres bleues. Je crois que c'est ça qu'il faut. Récolte des poivrons. Je vais attendre parce que je crois que j'en ai replanté aujourd'hui des poivrons. Ouais, j'en ai replanté aujourd'hui, donc à mon avis, ça. Les carpes, faut les pêcher, faut les vendre, mais ça on fera la prochaine fois. J'aimerais bien finir faire ça, mais bon, c'est si on trouve. Mais on a fait pas mal nos gens. Bonne session quoi. On a pas mal avancé sur la quête aussi. Et on a monté d'un niveau l'amitié de Scar. Mais le bateau, là, on a monté déjà deux niveaux tout à l'heure. Bonne journée à toi. Hé hey, hé hey. Ah. J'étais quoi, une lune dessus? Putain, mais je vois pas la différence, les gars. Ne garde jamais ses richesses, tu sais. Bonne journée à toi. Ouh. Ah là, il y a quoi? Ils ont rajouté un deuxième piquet de poisson. Je vois pas la différence, les gars! 20. Passe. Je peux en avoir 20 en même temps.
Salut, mon ami. Ça va coûter cher. Franchement, je me demande si j'ai pas un bug avec les deux derniers qui me prennent de la place, non. J'ai tout fait ? Ah, il est à fond ? Sérieux ? On dirait pas. Ah ouais. Bah, je m'attendais à, je sais pas, à un truc plus classe à la fin. Ah, moi, si ça me ramène 20 algues, je veux bien. Hein. Honnêtement, alors là, moi, je préférais. C'est le truc tout con à avoir, mais je suis toujours en déche d'algues, moi. Bon, bien sûr, ça me fait ça tout le temps. Au bout d'un moment, je vais en avoir trop, mais. Honnêtement, si un jour elle me ramène 20 algues, je l'autorise, hein. Pierre bleue. Ah, coucou Red. Vous avez pas eu de soucis du coup de votre côté sur le stream, tout est nickel. Comparé à hier, y a pas de. Ouais, tu dirais pas non, hein. On est d'accord. Surtout quand tu veux faire de la cuisine aussi, avec tout ce qui est maquis et compagnie là. Putain. T'es bon. Parce que moi de mon côté c'est toujours instable. Je regarderai quand même cet après-midi, je referai encore les tests. Enfin, je m'excuse hein, si vous avez des trucs bizarres, c'est un jour. On va bien finir à force par. Avoir un truc top top des deux côtés, mais peut-être pas. Mais bon, je comprends pas trop de mon côté parce que. Les 300 duplod. Mes réglages sont largement en dessous de 300 duplod. Je veux pas lire. Je veux pas parler. Laissez-moi ramasser ce putain de coquillage. Oh bordel. Je donne à ce village. Alors oubliez pas, il y a le petit lapin calico là, celui-là. Il est là qu'aujourd'hui. Il a des plusieurs tâches sur lui. Du coup là vous avez trois lapins au lieu de deux. Normalement c'est deux animaux en même temps. S'il y en a trois, c'est qu'il y a un rare. Et lui c'est que le lundi. Alors normalement c'était à partir de 8h, mais comme il y a eu le changement d'heure, il est là depuis 7h. Alors c'est bien et pas bien parce que du coup moi mon animal du dimanche bah comme c'était jusqu'à 10h du matin, maintenant c'est jusqu'à 5h du matin je crois. C'est de minuit à 5h du matin tout comme ça. Il manque. Génialement chiant. Non c'est 23h 5h en ligne. Blindé. Ça, ça va nous faire une place pour récupérer tout ça. Et celui-là, il est pas là toute la journée, alors pensez à aller le chercher. C'est qu'il a peut-être jusqu'à 15 ou 16 heures. Et dans le doute. Ouais, tu vois, c'est ça qui est chiant avec le changement d'heure. Quand t'as les habitudes sur les jeux. Mais par contre, après, bon, je préfère les heures d'hiver. Là, je me sens beaucoup mieux depuis. Et le matin, je peux encore mieux. C'est plus agréable.
les chants des oiseaux. Et le soir, je peux mieux dormir. Mais bah bon, dans les jeux, ça bouge tout. Picsou, c'est à 9h aussi, du coup, maintenant. Faut y penser, quoi. À un moment c'était déjà le cas, mais c'est juste que les oiseaux ils chantaient un peu plus tard, donc des fois je pouvais pas les entendre avant de commencer le stream. Maintenant oui. Et puis le soir, moi pour dormir, quand il faisait jour, c'était chiant parce que j'ai pas des bons stores quoi, donc. D'algues. Non ! Le bordel. On va tout vendre. J'ai pas vu ça. Voilà. Elle plaint. J'ai mis avec quoi? Pas avec quoi je le mets. Elle est là. Je savais qu'il me restait moins. Ah bah comme nous du coup. Comme nous. C'est bordel. Ah mais par contre je ferais faire quand il fait jour. Bah il fait jour plus tôt là justement. Alors l'été c'est il fait jour plus tôt et nuit plus tard. Et l'hiver il fait non, l'été il fait jour plus tard et nuit plus tard. Et l'hiver, c'est jour plus tôt et nuit plus tôt. C'est pour ça que moi, je préfère par rapport à... Normalement, c'est ça. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je remarque le matin, quoi. C'est où la pierre ? Faut le vendre. Agrandir ça coûte combien? 50k. Voilà, après attention. Attention aussi qu'il y a plus de temps de nuit l'hiver que l'été. Donc il faut pas que tu il faut comparer par rapport au changement d'heure, tu vois, genre la veille et le lendemain. Parce que forcément l'été et l'hiver il y a plus de jours et de nuits. Y a ça aussi. Content de te voir. Voilà, un inventaire propre. Parfait. Mais ça, je suis sûr que j'ai un problème. Vous l'avez encore, vous ? La fiole d'eau glacée, le livre remarquable. C'était des objets d'anciennes quêtes que j'ai fini, j'en suis quasi sûr. Parce que j'ai plus que ça et Picsou, alors. Alors ça me perturbe. Error raid. C'est un bug connu. Oh merde. Est-ce que je dois les jeter ou pas? Allez, jeter. Ça prend deux emplacements et au prix de l'inventaire, quand même. Ça me saoule. Ça me gave.
Ouais, toi aussi tu l'as. Oh là là. Bah mes coffres, ils ont déjà tout est prévu pour que ça soit rangé d'une telle manière. Après, je préfère quand même les avoir sur moi que dans mes coffres et après plus savoir où c'était. Bah normalement, je l'avais utilisé. Ouais. Attends, je vais le refaire. Ouais. Alors, Toyote. Quand tu spoiles dans une question, peux-tu pas réfléchir avant de spoiler dans une question? Heureusement que je l'ai déjà découvert. Sinon, là, t'avais un ban. Réfléchissez quand vous posez des questions. Et ce genre de truc, pose pas comme question. Tu vois que j'ai Mickey, tu demandes si j'ai fait toutes les quêtes de Mickey, mais... Donc, me spoilez pas. Et si c'est un truc que j'ai pas découvert, me spoilez pas. Ah, faut poser dans un endroit particulier, bah je chercherai alors, la prochaine fois. Je sais pas si je l'avais fait. Bah normalement si c'est une quête. Je sais pas. Mais par contre, tu risques de spoiler quelqu'un qui l'a pas fait. S'il vous plaît, faites attention. C'est vraiment pas bien ce genre de question. Sage. Non, pas encore, elle sait pas quoi à quoi jouer. Elle sait pas encore, faut que je regarde. Ouais, j'imagine petit budget pour ça. Oh, de toute façon, je regarderai. Enfin... Je regarderai ça. Mais déjà, les... Le premier ORR, il est gratuit, mais il est pas en français. J'avais fait, je crois, je sais pas si j'avais fait. Le deuxième, il est à 10€. Le troisième, dans les WiiWare, après, je sais pas si t'aimes ce genre de jeu. Le troisième, il est à 13€. Et le quatrième, il est à 18€. Stardium. Par contre, c'est ce sera un let's play très long. Mais il y a pas de souci. Mais c'est de l'histoire, elle est quand même faut aller sur les années et tout. Mais sinon, ouais, il y a pas de souci. Ça te gêne pas? Ok. Bah un peu, ouais, Stardew. Je sais pas si tu l'as déjà, sinon il a 14 là. Sur Instant, je sais pas si... S'ils ont des... clés. Ils l'ont à... Ah non, ils l'ont plus. J'allais dire ils l'ont que à quelques centimes de moi, mais non. Ils n'ont plus...
Du coup, on va aller sur House Flipper. Ah, tu l'as, moi, c'est cool alors. Bah ouais, ça peut être ça. Après, faudra que tu me dises les jours que tu préfères dans la semaine, les heures. Et qu'on organise ça, qu'on voit ça, quoi. Après, si tu veux en faire une fois, deux fois par semaine, faudra que tu me dises. Du coup, hop, ça c'est bon. Et on va aller sur House Flipper, sur le DLC des pets. Je connais pas du tout. Ah. Cool. Oh, il est génial. Il est vraiment génial. Je te laisserai choisir la carte du début. Après, on essaiera d'avancer quand même pas mal sur la quête principale, du coup. Et puis, attention, il y a des choix à faire pour la quête principale. C'est toi qui feras le choix. Mais bon, je pense savoir tes choix. Je pense savoir. Du coup, on va aller sur House Flipper. Merci à ceux qui laissent tourner avec un petit peu de son pour le Road to Partner, pour ceux qui n'aiment pas House Flipper. Et j'arrive tout de suite, je vais me refaire un petit café, tout ça. Et vous me direz sur House aussi si tout est clean. Après, c'est pas des jeux qui bougent beaucoup, donc je pense que ça va normalement. Ouais, plus vers jeu du milieu ou jeu de fin, Brixa, du coup. Bah, je verrai du coup. Je vais commencer à y réfléchir. Je te vois, Red. Avant la bataille royale. Allez, j'arrive tout de suite, petite pause.